مشتركي سابورانين دونك باش نخدم لكم سيري نيميرو 1 على التيوريم دو تاليس دونك نبدا بالاكزارسيس نيميرو 1 دونك عطيني اون فيغور لهنا كومبليتي دونك او بي سور او دي هيك او بي سور او دي دونك دابخي تاليس او بي سور او دي ايغال او ا سور او سي فوالا دونك ايت ايغال او ا سور او سي دونك هاكا عطيني الاو ا هي 2 والاو سي هي 3 دونك ايغال 2 سور 3 توا طالب مني اني اون ديتيرمين دي سي دونك كوات ايغال دي سي بيان سور لهنا عندي هيك ال ا بي فوالا دونك كوات ايغال دي سي دونك دي سي ايغال 3 دومي ا بي دونك ايغال 3 دومي ا بي دونك كيفاش خدمت هذه بيان سور لهنا نجم نكمل كي ايغال AB sur DC. Donc, je peux déterminer une DC. 2 DC égale 3 AB. Donc, DC égale 3 sur 2 AB. Voilà. Donc, on a un deal AB, on a 3. Donc, égale 3 sur 2 fois 3, qui est égal à 9,5. Voilà. Okay? Donc, là, tout simplement, on applique Thalès. On dit AB ou DC parallèle. Donc, on dit le point O. Donc, on applique Thalès. OK. Donc, les questions les barres à répondre par vrai ou faux. Donc, je n'ai pas dit Atini, les deux cercles sont concentriques. Donc, Atini figure AD, alors AB parallèle à CD. Donc, est-ce que vrai ou faux, l'aîné? Donc, je n'ai rien dit, l'aîné. Bien sûr, on a OA sur OC, donc OA sur OC égale OB sur OD. Okay? Donc, l'aîné qui est égal petit R sur grand R. Voilà, donc, l'aîné a le rayon AD de cercle, petit R sur grand R. Donc, l'aîné vrai. Donc, l'aîné a tini EI parallèle à BG, avec un EI parallèle à BG, ou a tini FI parallèle à CG. Donc, l'aîné EF parallèle à BC. Oui, EF, donc là, il est EF parallèle à BC. Donc, l'aîné vrai. En effet, je n'ai rien à l'aîné AE sur AB, donc avec AE sur AB, donc égal AI sur AJ, donc qui est égal à I. Sur AJ, donc est égal à 5 demi. Ou on a l'hene kif kif AF sur AC, donc égal, bien sûr, l'hene, pardon, sur 5 sur 7. Al-khatra dit 5 plus 2, donc sur AJ. AJ est 7. Donc ou AF sur AC, AF sur AC, donc égal à AI sur AJ, donc est égal kif kif 5 sur 7. Donc l'hene a dit AB. E sur AB égale AF sur AC. Donc AE sur AB égale AF sur AC. Alors EF parallèle à BC. Ok? Donc, t'as l'exercice 2. Donc, j'en fais l'exercice. Dans la figure, c'est contre EF et I sont les milieux respectifs de AB, AC et AF. Donc, atteignez le E milieu de AB. Atteignez donc le F milieu de AC. Atteignez le I milieu de AF. Donc, quelle est la nature de quadrilatère BEIF? Oui, nous allons nous faire. Donc, je vais faire la nature. Donc, BEIF. Ok, donc. Donc, le quadrilatère interne, donc je n'ai une nature interne. Bien sûr, justifiez votre réponse. La parallèle AB passant par I, donc coupe BF en J, montrez que J est le milieu de BF. Donc, on va dire que j'ai la question. Donc, je n'ai pas la question. Je vais nous EI parallèle à BF. Donc, je n'ai pas la question. Dans le triangle AB, donc C, on a E milieu de AB et F milieu de AC. Alors, les milieux, donc, sont les milieux, donc, de AB et AF, donc, EI, puisqu'on parallèle à BF. EI parallèle à BF, alors, c'est le triangle, il y a milieu de AF. Ok? Donc, on a la réponse interne, puis je fais mon acteur, donc, je suis là, le triangle. ABC, donc, on a E, donc, qui est milieu de AB, ou I, donc, milieu de AF. Donc, les nés sont en EI, juste qu'on parallèle à BF. Okay? Donc, les nés, avec EI, qui est parallèle à BF. Donc, bien sûr, nous EI parallèle à BF, alors, Jean-Pichicoul EBFI est un trapèze de base, les bases du théorème EI et BF. F. Alors, le quadrilatère EI, donc FB, est un trapèze donc de base
EI et BF, tout simplement. Okay? Donc, pendant les questions, les bagues, donc la parallèle à AB passant par I, je sais le parallèle à AB passant par I, donc coupe BF en un point J. Donc, avec AB passant par I, donc, puisqu'on bien sûr coupe BF en un point J, donc, puisqu'on est dit le point J. Montrer que J est le milieu de B, donc F. Voilà, on coupe, donc le parallèle interne, pardon, coupe BF. Donc, quel est le point J? Donc, je vais bien l'aîné. Montrer que J est le milieu de BF. Voilà, donc dans le triangle ABF, on dit que le milieu, on a Thalès, il y a une droite passe par le milieu de BF, parallèle à AB, donc automatiquement, puisqu'on passe par le milieu de donc, BF. Ok? Donc, l'aîné, bien sûr, dans le triangle. Question numéro 2, bien sûr, elle a 1. Dans le triangle, donc ABF, on a I, le milieu de AF. On a IJ parallèle à AB. Tout simplement, on dit que dans l'intercom, automatiquement, donc J. Je suis au milieu de BF. Voilà. Et tout qui fait, je l'ai dit. Maman, là, t'as effort. T'as les deux données, donc, comme ça, t'as le résultat. C'est une donnée de théorème. Bien sûr, la réciproque de Thalès. Il est qu'on a dit I milieu de AF ou on dit IJ parallèle à AB. Donc, J est dit que je suis au milieu de BF. Voilà. T'as l'exercice les bagues. Donc, dans la figure 50, ABC est un triangle équilatéral tel que AB égale à 5 cm. ABC. Martini CD égale à 2 cm. Donc 2 cm. Au ridicule, donc AB, il y a 5 cm. Bien sûr, AC 5 cm et BC 5 cm, puisque notre triangle est équilatéral. AH est la hauteur issue de A, donc AH, donc du coup, l'aîné perpendiculaire, et K, donc est le projeté orthogonal de D sur BC. Voilà, où l'aîné a dit angle droit. Calculer CD. Et DK, donc CK, pardon, et DK, donc, et en déduire l'aire du triangle CDK, voilà, donc les CDK. Voilà, donc, bah, je vais la question numéro 2. Je vais la question numéro 1, on va dire qu'on a la question numéro 2. Donc, l'aîné, on applique Thalès dans le triangle AHC. Mais avant d'appliquer Thalès, bien sûr, nous, donc AH et DK sont parallèles. Pour appliquer Thalès. Donc déjà, on a parallèle, on a une perpendiculaire à la nef droite, donc sont parallèles. Mais donc, ils ont une hôte et nous, les droites sont parallèles, ou bien sûr, nous avons CH, CH, puis nous H. Donc, l'aîné est la hauteur issue de A, ou un triangle équilatéral, donc CH égale à CB sur 2. Okay? Donc, l'aîné, je vais avoir l'exercice une batte, donc, on a donc CH. Égal, donc BC sur 2, qui est égal 5 sur 2. Allez, à la hâte de l'aîné, donc H est la hauteur issue donc de A au triangle interne équilatéral, donc égal à 5 demi. Et dit où l'hâche? Donc, les droites CH et CA, donc CH, donc et CA sont 50, ok? Donc, le point T, ou le point C. Alors, donc, D, puisqu'on appartient à C, et K appartient à CH. Pour appliquer Thalès, il nous D appartient. Donc, on dit, donc, les trois points sont donc, alignés, ou kiff-kiff, les trois points donc, sont alignés. Donc, on a les droites, donc, CH et CA, sont 50 en C et on a D donc appartient à la droite CA ou K appartient à la droite donc CH. Donc les nez, donc les droites DK parallèles à AH, donc DK donc perpendiculaire à HC. Ou kif-kif, AH perpendiculaire à HC, donc ce sont deux droites parallèles. Alors, on peut appliquer Thalès, donc d'après Thalès.
Donc, je vais d'après Thalès, CK sur CH égale CD sur CA qui est égal à KD sur AH. Voilà, comme je vais aligner. Donc, CK sur CH égale à CD sur CA qui est égal à KD sur AH. Bien sûr, maintenant, je vais appliquer Thalès, c'est les mêmes bains et nous, ces deux droites sont parallèles. Maintenant, je vais appliquer AD, c'est sont alignés, ou HK, c'est sont alignés. Alors, لهنا شنو علاش يحب يلوج هو لهنا بيان سور يحب يلوج على سيكا دونك هيك سيكا بما انه انا عندي سي اش دونك وعندي لهنا دونك عندي دي سي فوالا وعندي ا سي دونك لهنا سيكا سور سي اش ايغالا دونك 2 سور 5 جو بو ديتيرميني دونك سيكا égal à 2 sur 5 fois CH. Bien sûr, CH, accepte, elle y est 5 demi. Donc, égal 2 sur 5 fois 5 sur 2. Donc, est égal à 1 cm. Voilà, qui est cool. Donc, talat el CK. Donc, tu as fait le KD. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, kif kif talis. Donc, KD sur AH égale donc 2 sur 5. Ce qui donne le nez, donc KD égale 2 cinquième AH. Or, on a AH, on a fait, je vais AH, il y a non. AH, il y a la hauteur, donc, SU de A. Alors, quoi égale AH? AH égale racine de 3 sur 2 AB. Nous, la hauteur du triangle équilatéral, donc égale racine de 3 sur AB. Or, AB, on a fait 5, donc racine de 3 sur 2 fois 5. Donc, je peux déterminer KD. Juste un angle AH, puis la racine de 3 sur 2. Voilà, donc KD égale à 2 sur 5 fois racine de 3 sur 2. Donc, est égal fois 5, bien sûr. Maintenant, 5, je peux donner simplifier. Donc, égale racine de 3 cm. Voilà, qui compte là, donc, le KD. Voilà, donc, on déduire l'aire du triangle. Donc, l'aire du triangle CDK, donc bien sûr, NAFO, NASPOR, donc égal à KC fois KD sur 2. Donc, avec l'ENEM, je n'aurai rien que je peux dire. Donc, CDK, ou CDK, donc CDK, voilà, à quoi égal, il y a KC, donc KC fois KD sur 2. Voilà, donc, l'ENEM a dit angle droit. Donc, Andy NAFO, donc égal à 1 fois racine de 3 sur 2, donc est égal à racine de 3 sur 2 cm, donc carré. Voilà, donc, regardez la question, les barres. La parallèle ABC passant par D. Donc, je dis ça, le parallèle ABC qui passe par D. Donc, je dis ça, la parallèle ABC passant par D. Donc, tout simplement, je dis que le perpendiculaire ADK il passe par D. Voilà, donc ça, c'est notre parallèle. Donc, coupe AB en un point E. Montrer que donc, le triangle ADE, A, DE, donc, est équilatéral et calculer son périmètre. Voilà. Donc, là, bien sûr, je n'ai pas de D est milieu de AC. BC, donc, parallèle à DE, automatiquement, E, puisqu'on est milieu de AB. Voilà. Donc, et on a. Donc, tout simplement, on a, donc, D milieu de AC. Et donc, DE parallèle à BC, donc alors, l'année, donc, nous sommes chers, tout, nous sommes chers, nous E, puisqu'on est milieu de AB, voilà. Donc, maintenant, E milieu de AB, maintenant, le triangle ABC équilatéral, donc le triangle ABC est équilatéral. Alors, le Nishnop Chiatini, donc AD égale AC sur 2, donc est égal à 5 demi. De même, le AE, donc égale AB sur 2, qui est égal donc 5 demi. Quatli donc DE, bien sûr, DE donc sur BC égale à donc 1 demi. Donc d'après Thalès, donc DE sur BC égale à 1 demi, ce qui est donc DE donc égale à BC sur 2. Qui est égal 5 demi. Voilà, donc l'année a fait normal. Tout simplement, l'année, puis maintenant, on applique Thalès, donc l'année a le milieu. Donc, DE sur BC égale à 1 demi. Voilà. Donc, l'année, je trouve égale à 5 demi. Voilà, donc elle est égale à 5 demi. Elle est 5 demi. Elle est 5 demi. Donc, notre triangle est équilatéral, son périmètre, donc 2,5 cm. 5 demi, maintenant
2,5 cm.